Et à 13h02 sur Europe 1, direction Hambourg maintenant, puisque ce soir à 21h, Céline, les Bleus affrontent le Portugal en quart de finale de l'Euro. La belle affiche, et on y croit tous, avec une équipe de France plus créative, plus efficace devant les buts pour ce duel qui s'annonce palpitant. Cédric Chasseur, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Allemagne. Hier, Kylian Mbappé était en conférence de presse et il n'a pas été tendre, on peut le dire, avec ses coéquipiers. Un capitaine ne devrait pas dire ça, Cédric ? Bah, je vais vous laisser juger. Kylian Mbappé parle de son jeu, il reconnaît ne pas être à 100%, mais ce n'est pas l'explication de son changement d'attitude en bleu, lui qui multipliait les appels depuis ses débuts sous le maillot tricolore. Il est beaucoup plus statique et loin du but désormais, et en voici la raison. Un attaquant, il doit toujours s'adapter à toutes les situations qu'il a. Beaucoup de gens font des références au jeu qu'on avait quand je suis arrivé en sélection, mais on avait des joueurs différents. Je peux prendre un joueur comme Paul Pogba qu'on n'a plus aujourd'hui. Avec Paul Pogba, tu as juste à baisser la tête, à courir, faire un appel. Tu sais que le ballon il va arriver dans ton pied. Aujourd'hui, avec les joueurs que j'ai, peut-être qu'on peut moins jouer en profondeur parce que c'est moins leur caractéristique de vous envoyer en profondeur. Voilà, deux réflexions, Céline. Premièrement, il désingue un peu ses coéquipiers. On lit clairement le sous-entendu. Ce n'est pas moi qui est moins fort, ce sont les joueurs autour de moi qui le sont. Ce qui nous amène à la deuxième réflexion. Il n'y a aucune remise en cause de sa part. Si on ne m'envoie pas dans la profondeur, je ne ferai pas d'appel. En clair, je ne vais pas courir pour rien. Or, c'est parfois une course dans le vide qui peut créer des espaces pour ses coéquipiers, créer le déséquilibre, ce qui manque cruellement à cette équipe de France. Et si cela devait mal se passer ce soir, l'attitude solitaire, parfois égoïste de Kylian Mbappé pourrait faire couler beaucoup d'encre ici à Hambourg. Merci Cédric Chasseur pour cet éclairage et ce décryptage de ces déclarations de Kylian Mbappé, envoyé spécial en Allemagne pour Europe 1.